Juste pour terminer cette petite variante tactique, si on prend pas la tour mais qu'on fait échec ici, c'est 1. Hop, je reviens. Fou F5, hop, on prend, oui, dame prend pion. Si on fait dame C1 échec, hop, roi E2. Le roi va venir en F3 et c'est une position gagnante aussi pour les blancs. Cavalier F6, dame prend C5, dame B2 échec, roi F3, dame prend tour, hop, dame B3, reprotège le cavalier, contrôle, protège le cavalier ici, contrôle la case A2 de sortie et menace B7. On a perdu, encore une fois. Donc, cavalier A5, cavalier A5. Moi, attends, excuse-moi, je reviens. Ici, tu vas aller à 5. Là? Ouais. Dame B5. Ma 4. Sous B5, sous B5, tant pis. Pardon. Ma 4, la roue, ça va vite qui revient. Ma 4, là, ça protège plus le cavalier B1. Ouais, dame B5. B5. La seule chance pour le roi noir, c'est de faire un grand roi, parce qu'il peut pas, de toute façon, il ne pourra jamais faire petit roi. Là, c'est perdu. On va faire roi D8 par exemple. Et on joue dame C2 en fait, par exemple, et on menace encore cavalier E2. Ouais. La tour est en prise. Donc, c'est terrible. Bon, piège, piège, piège. À s'en souvenir. Hein. À s'en souvenir. Tu peux revoir le début de la partie pour. Ouais, on fait voir le début de la partie pour. Comme j'ai enregistré. Ouais, non, c'était juste pour dire qu'ici, en fait, il fallait pas se précipiter pour attaquer le pion B2 qui est plus protégé. Plus protégé par le fou ici là qui est sorti en F4 parce que si tu joues ça hop F3 dame B6 KC3 donc c'est le piège en fait hein. Si tu prends B2 ici hop les blancs font cavalier prend D5 la partie est perdue et si tu joues d'abord cavalier C6 pour attaquer le pion D4 et donc les forcer à jouer C3 donc comme ça le cavalier pourra pas sortir en C3 C3, dame B6, dame B3. Proposer d'échanger les dames, donc ce ne serait pas l'avantage des noirs, puisqu'en fait, ici, si on échange les dames, la reprise ici permettrait d'ouvrir la colonne A, et stratégiquement, ce serait perdu pour les noirs. Là, c'est 4, non? On peut jouer. Voilà, donc en fait, on joue C4, dame C2, et si tu tentes le piège qui avait fou F5, qui est assez classique ouais. En fait, dans ce type de position, ah, c'est ça, il y a dame prend F5 quand même, parce que dame prend B2, dame prend pion, dame prend tour. Ah ok, d'accord, c'est la partie. Dame B, et dame B5 protège le cavalier B1. Ici, et menace B4. C'est ce que j'aurais joué, moi. Jean, c'est un peu dans le piège. C'est ce que tu joues, t'as vu, avec... Tu vois, c'est... Ouais, c'est les pièges de Jean. Ça, en fait, le système Jobo, je sais pas quoi, là, en fait, c'est une dérivée du système de l'ombre. Ok, donc fou F4. Cavalier F6. Donc ça, c'est le coup normal hein, contre cavalier F4, contre fou F4, pardon. E3, d'accord. Et si on joue C5, donc ce qui est normal, hein, C5, C3, et si de nouveau on s'acharne à jouer dame B6, encore une fois, ici par contre, il ne faut pas jouer dame B3. Là, ce serait bien pour le noir, puisqu'on jouerait C4, dame C2, G6. Et là, on peut jouer fou F5. Cavalier D2, fou F5, dame C1, cavalier C6. Et là, par contre, on est pas mal, puisqu'on contrôle les cases blanches. Et on a l'avantage, si on essaie de jouer avec B3, par exemple, c'est prendre à prendre. Tour C8, on a une forte activité. Et là, par contre, c'est les noirs qui sont bien développés. Donc, c'est pour ça qu'ici, en fait, ici, les blancs ont quand même un avantage, mais ils ne jouent pas dame B3, ils jouent dame C2 tout de suite. Protège B2, cavalier C6, cavalier D2, et là, G6, cavalier F3. Si on joue fou F5, on fait déprend C5 d'abord. Je reviens. Hop. Cavalier D2, G6. Cavalier F3. Si on joue C4, hop, ici, pour empêcher de prendre C5, on se prend E4. Contre-attaque au centre. Et tout de suite, on a un avantage de développement qui est très fort. On menace E5, on menace plein de choses, on menace prise en D5, on menace, avec le pion C4 qui est en l'air. Donc en fait, ici, fou F5. Et fou F5, évidemment, il ne faut pas jouer dame C1, parce que si on joue dame C1, il y a C4. Là, c'est l'avantage des noirs. Par contre, les blancs, ici, jouent des prends C5 d'abord. Et ça tourne à l'avantage du blanc avec ici. Dame prend C5, par exemple. Dame B3. C'est compliqué, mais c'est plutôt l'avantage. Les résultats sont plutôt pour les blancs ici.
Ça peut se comprendre. Hein. Il y a le pion B7 qui est en l'air. Le fou F5 qui était bien placé parce que la dame était en C2. Maintenant, cette fois-ci, elle n'est plus trop bien placée. On va jouer cavalier H5. On peut jouer G4 dans le futur. Si le cavalier bouge, par exemple, si on fait ça, on pourra jouer F3, E4, F3, G4, etc. etc. Et si fou prend C2, c'est prend B6, A prend B6, et cavalier D4. Et une fois de plus, c'est un avantage blanc. Là, en regardant les résultats des parties, en fait, les blancs s'en sortent plutôt bien dans cette position. On peut pas jouer pour les mêmes raisons, en fait. Hein, le fou F5 est menacé, donc on est obligé de revenir ici. On est obligé de revenir là. Hein, on est obligé de revenir ici. Et là, on prend, par exemple. Bien pour les blancs. Si on joue fou A4. Il n'a pas trop de cases, là. Et il n'a plus de cases, après. Il n'aura plus de cases. Bon, après, on pourra jouer B3. On pourra jouer peut-être cavalier prend. Il y a d'abord cavalier prend. Ouais. Ici, on peut jouer tout simplement fou C7, menace le pion B6, en fait. Voilà, quand le cavalier attaque le fou, ben, tu prends le cavalier carrément avec le cavalier, quoi. Ouais. Nicolas Daoust, oui. Sur le coup d'avant, quand le fou est encore en F4. Voilà, ici. Un peu en avant. En avant. Il y a encore en avant, pardon. Ah, non. Avec l'échange de dames ou pas? Encore. Comme ça? Ici, à mon avis, vous voulez dire. Oh. Ici? À quel moment, Nicolas? Ah non, je croyais qu'on pouvait jouer au 5, mais non, parce que... Ah non, bah, c'est ce que je voulais dire. Ouais, on peut moi pas aussi, arranger. Je pense à ça, mais après, j'ai vu qu'il y avait les francs. Ouais, bah, je montre l'exemple. Que ah, si joue au 5. Ouais, si on joue au 5, ça perd un pion. Là. Tu peux faire fou prendre au 5, là, je pense. C'est sûr. Ouais, parce que le cavalier et le fou en C2, il est ah en bah pion. Oui. Pour ça. Si le cavalier, le fou C2 est en prise. Enfin, toutes ces complications, en fait, si vous voulez, en fait, elles tournent à l'avantage des blancs. Voilà, c'est surtout ça que vous reteniez. En fait, il faut pas, ça sert à rien de l'apprendre les barons par cœur, mais il faut que vous reteniez que vous jetez sur le pion B2 en attaquant rapidement par C5 et dame B6, non, c'est un piège, surtout pas le faire. En fait, il faut plutôt opter pour quelque chose d'un peu plus lent, système C5, hein, mais pas avec dame B6, quelque chose de plus lent qui joue plus vers le centre, en fait, plutôt qu'à l'aile sur le pion B2. Donc C5, C3, cavalier C6. Ça, c'est normalement, c'est le plan normal de développement. Cavalier BD2. Fou F5. 6. Voilà. Ah, tu joues avec le 6. Ouais, on joue le plan classique, en fait, c'est la grande ligne, en fait, sur le système de Londres. Ouais. Celui qui est à la mode et celui qui est le plus. Fou F5, c'est pas, sauf que je. Ouais. Fou F5, ça va aussi, hein, Fou F5. Mais oui, non, mais il y a plein de choses, mais celui-ci, c'est vraiment le grand système. Ouais, c'est un système solide, et puis je vous fais avoir une ligne intéressante qui vous permet d'avoir. Parce qu'en fait, la difficulté de jouer contre le pion dame, en fait, c'est d'obtenir du jeu et donc d'avoir la possibilité de gagner. C'est ça le problème, en fait. Parce que sinon, si vous pouvez. Il y a plein d'ouvertures qui sont solides contre le pion dame, contre le système de Londres. Mais toute la difficulté est d'obtenir un avantage suffisant pour avoir l'initiative et avoir la possibilité de gagner la partie. Donc, en fait, c'est ça, la difficulté de trouver un système qui permet de lutter contre cette espèce de barricade, en fait, blanche. Puis le fou en D7, et il défend le pion B7. Donc, après, il n'y a pas trop de dame B3, des choses comme ça. Donc, ça reste très solide, quoi. Et puis, on va faire un développement rapide. Ouais, ouais. Un développement rapide. C'est alors, on va se mettre rapidement. Donc, en fait, ici, donc comme je vous l'avais dit au début, en fait, le fou F4, en fait, il a une importance, c'est qu'en fait, il joue de manière active, en fait. Il a une belle diagonale, il joue de manière active sur la dame. Et en même temps, il contrôle la case de 5. Et ça, c'est une case stratégique pour les joueurs du système de Londres, en fait. Ils veulent absolument surcontrôler cette case. Et donc, en fait, nous, ici, à partir de là, on joue fou D6, on contrecarre, en fait, hein, le plan des blancs. On essaie de contrecarrer le contrôle de la case de 5. Fou G3. Alors là, une petite question. À votre avis, est-ce que c'est bon de prendre le fou D6 pour les blancs? En général, les blancs, ils jouent fou G3 là-dessus. Ouais, carrément. Ou tu peux te laisser faire les pions doublés. Ce qui est intéressant, c'est contre le 5. C'est moderne un peu, ça, là, aussi. Aussi, ouais. Alors, prendre le fou D6, ce serait pas bon. Non, ça développe la dame, quoi. Mmh.
Ouais, c'est surtout que ça va permettre ensuite de pousser E5. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, et par conséquent, ouais. Là, on contrôlerait le centre, on contrôlerait par contre l'avenir de la partie. Donc en fait, prendre en D6, ce ne serait pas une bonne idée pour les blancs. Par contre, il faut faire attention, il y a quand même un piège. Dame prend D6. Alors, si on joue fou 2, normal, petit roc, là on joue E5, d'accord. Prise, K prend, dame prend, KF3, dame E7. On a un joli centre ici. Le fou peut aller en G4, peut aller en F5, il peut aller en B7. On centralise les tours et ça va pour les noirs. On a plutôt une bonne position. Mais il y a quand même un piège. Le piège, c'est celui-ci pour l'éviter. Donc, si les blancs décident de jouer fou B5, par exemple, c'est ce coup-là qui est un piège, il faut le connaître en fait. Hein. Fou B5, petit roc. Donc, on aurait tendance à jouer fou D7 en fait. Hein, ce qui est normal en fait, pour éviter de se faire manger en C6, avoir une mauvaise structure de pion par reprise du pion, parce que sur prendre la dame, il y aurait cavalier E5. Fou D7, A4. Normal. A6. Une petite erreur de connexion. Ça revient. Le contrôle. A6, fou 2. Et ici, comme je vous l'ai dit, on aurait tendance à vouloir jouer E5. D'accord? C'est le plan normal pour les noirs ici. Mais ici, c'est un piège. Les blancs jouent et gagnent. Et je vous laisse réfléchir un petit peu. J'arrive à temps. C'est qui joue déjà ? Il n'y a pas un problème non. Avec la dame qui n'est pas défendue ? Oui, non, ouais, non. C'est des prend C5 et B4, B5, non ? Ça perd le pion, non ? Des prend C5 puis B4, t'attaques la dame. Ok. C'est au blanc de jouer. Au blanc de jouer, genre. Ok, voilà. Ouais, je ne sais pas, tu peux libérer la position, tu peux jouer D prend C4. Déprend C5 et après pousser C4, de toute façon ils peuvent pas reprendre. Non, c'est pas ça. Déjà un problème. Ah, la dame est pas protégée, peut-être. Ah, c'est ce que j'ai dit. Ah, la dame avec C4, avec cavalier prise et. Ah oui, d'accord. Prise en E5 et cavalier C4. Non. Non, parce qu'il peut pas prendre. Ah, il peut pas prendre. Comment ça, Olivier? Je comprends pas. Ah, non, mais. Ici. Ah, peut-être cavalier prend. Attendez, juste, on va terminer par la réflexion d'Olivier. Olivier, ouais. Déprend E5, c'est ça ? Ouais, mais cavalier C4. Déprend E5 ? Ouais, non, ça va pas. Non, ça va pas, parce que là… Cavalier C4, j'échange en F3. Ouais. Ok, il faut trouver là-dessus, ouais. Ok, ouais. C'est pas ça. Il y a peut-être déprend C5, si dame prend… Ah oui, voilà, cavalier C4, peut-être. Yeah. Ah oui, c'est ça. Déprend C5 ? Cavalier C4. Dame prend C5 ? Dame prend B4 et B5 derrière. Non, cavalier C4. Il y a dame prend C3. Ah ouais, il y a dame prend C3. Ouais, mais bon, dame prend C3. Non, dame prend C3, c'est dangereux, peut-être. Y a dangereux, ouais. Dangereux, non. Ah, je crois que je l'ai vu, je crois. C'est D prend C5 et cavalier C4. Attends, Marc, t'as vu, je m'en vais, hein. Il n'y a rien de particulier. Ouais. Je sais pas, je sais pas si. Non, mais après B5 éventuellement. Ouais, les blancs sont pas moins bien, mais il y a pas de. Là, tu gagnes du matériel, en fait, dans ma ligne, en fait. Hein. Non, bah c'est certainement pas le coup. C'est pas ça. Bien. Alors, c'est pas cavalier C4. Attends. Voilà, je vous laisse la ligne. À vous de trouver. En fait, c'est pas la dame qui est pas protégée. C'est le fou. Non. Ah oui, d'accord, avec la B6 à la fin, tout ça, là, ça attaque la tour puis le fou. Non ? Ah, avec. Ok, prise, déprend. Prend. Je n'arrive même pas. Je donne le suite. Cavalier C4, il y a cavalier C4, je pense. Ouais, cavalier C4, c'est ça, c'est le bon coup. Moi aussi, je pensais ça, mais je croyais que c'était pas bon. Cavalier C4, donc on est obligé de reprendre, hein, sinon on prend E5. Ouais. Hein, je ne sais pas, pour Annie, Claude, tout le monde, là, ça, c'est… Il y a KV6 en plus, après. Ah ouais. Il y a ça, merde.
Il y a ça qui est en l'air, donc on est obligé de reprendre. Donc, D prend C4. Bien sûr. Après. Bon, ça, il y a certainement le pion. D prend A5. D prend C5, ouais. Donc, la dame est en l'air. Hein. Donc, on est obligé de changer la dame. Il y a un vis-à-vis, là, dame-dame. Dame-dame, il y a deux pièces attaquées, là. Et après, tu dégages ton cavalier, tu gagnes le fou. Ça. Là, c'est le gros avantage blanc. Si vous jouez fou E6, par exemple, on joue on prend F6. C'est un sacré piège, celui-là. Faut le voir, celui-là. Et toutes les pièces, en fait, le problème, c'est qu'on on termine avec, avec des pions ici pendant. Parce que le bilan, ça fait quoi, là, au niveau matériel? 7 Ouais, ça, c'est égalité matérielle, sauf qu'en en fait, on va perdre tous les pions, en fait. Ouais, ouais. Enfin, j'exagère, mais on ne va pas perdre les pions B7, mais ni H7, mais. On va perdre beaucoup de pions. Il y a eu beaucoup de parties, non? Parce que c'était une position normale, on va dire. Il devait avoir beaucoup de parties. Je ne sais pas de quelle partie c'est issu, mais je sais qu'il y a beaucoup de pièges en fait, qui sont issus des parties de Gary Katakamski quand il a joué le système de Londres. En fait. Ça, je vais regarder en parallèle sur l'e-chess cette position-là si elle était jouée. Donc, en fait, ici, quand on vous joue fou B5, ici directement, à la place de jouer fou E2, quand on vous joue fou B5, petit roc, fou D7, ok, normal, A4, je contrôle parce que s'il n'y a pas A4, on va jouer A6, B5, etc. A4, normal. A6, le fou s'en va. Ici, il faut que je joue tour F8. Et tour F8, en fait, ça, du coup, ça ne marche plus le système. Parce que si on joue cavalier C4, en fait, tour F8, tout simplement pour pouvoir pousser E5. En fait. C'est ça que je veux dire. En fait. Pouvoir pousser E5. Ce qui fait que le pion ici sera compris dans la variante avec C4. Voilà. Vous pouvez jouer tour D8, mais tour F8, c'est plus précis. Mon petit piège. Ok, on poursuit. Vous avez tous vu hein, pourquoi tour F8 ça marchait hein. Pas pour les blancs. Ouais, je regarde pas. Ouais. Hop. Tour F8. Donc ici on menace E5. Parce que qu'est-ce qu'on peut jouer là. H3 par exemple, on peut jouer 5. Et là, KVC4, ça ne marche pas. Ma chère, elle est partie. KVC4, il y a des prends. Des prends C4, des prends E5. Dame prend dame. Tour F prend D1. D'accord. T'avais joué H3. Il n'y a pas de partie. Hein. J'ai regardé, il n'y a pas de partie. Hein. Quoi? Je dis, il n'y a pas trop de parties là-dessus. Il n'y a pas de partie là-dessus? Non, je n'ai pas trouvé. En tout cas, sur les chaises, je n'ai pas trouvé. Je vais regarder, attends. Ou alors, je me suis mais. Mais par contre, c'est pas. Ah pas oui, oui. Oui, oui, oui. Attendez. Tour F8, attends. Tour F8, dépend. Okay, prend C4. Dépend E5, dame prend D1. Tour F prend D1. Enfin, on joue cavalier prend E5, pardon. C'est pas, on ne joue pas fou aussi, on joue cavalier prend E5. Pardon. Ça ne marche pas si. J'ai trouvé 20 parties sur l'e-chess. Cavalier prend 5, le cavalier protégé par la tour. J'ai vu 20 parties, il n'y en a pas un qui l'a joué, cavalier C4. Tu vois, c'est un piège qui n'a pas été joué. Une seule fois. Ah bon? Oui, il n'a pas été joué sur l'e-chess, cavalier C4. Et c'est vrai que c'est bon. Cavalier prend, tour prend, fou prend C4. Ici, on a plutôt une bonne position pour la noire. Enfin, en tout cas, ça tient. 3 et 3, 6, 3 et 3, 6, et 1, 7, 3 et 3, 6. On a un pion plus, en fait. C'est même mieux, puisqu'en fait, on a gagné pion sacrifié pour les blancs. Donc, en fait, on est même mieux ici. OK? C'est bon pour tout le monde? Oui. Hop, je poursuis. Donc, fou prend D6, c'est pas bon. D'accord? Donc, le coup normal ici, c'est fou G3. Juste comme le disait Marc, fou G3. Juste et, là, faut, et là, pareil, il ne faut pas prendre le fou. Non, tu vas nous dire pourquoi juste après. Par contre, ici, si les blancs décident de jouer cavalier E5, ce qui est un coup normal en fait, dans le système de Londres, en fait, les blancs veulent mettre un cavalier en E5
et venir remettre le deuxième cavalier ici en F3 pour surcontrôler la case de 5. Mission, je jouerai dame C7. Donc, menace d'échanger en E5. Cavalier D, F3. Donc, je joue cavalier D7. Donc là, il y a 3, il y a 1, il y a 1, 2, 3, 4 pièces sur E5. Là, ça ne tient pas. Alors, les blancs ont un coup qui pourrait en blitz faire peur, mais en fait, ça, en partie blanc, ça ne tient pas. C'est le cavalier prend F7. Je vais faire attention. Roi prend F7. Cavalier G5 échec. Roi E7. Dame H5. Menace ici. Parce que si vous faites, je ne sais pas si vous jouez, j'en sais rien, moi, si vous jouez. Vous pouvez vous faites pénétrer de partout. Dame prend H7. Dame prend H7, dame prend G7, etc., etc. Par contre, ici, il faut juste jouer cavalier D8. Et on tient la baraque. En partie en blitz, hein, si vous ne connaissez pas une suite de coups, évidemment, vous pouvez faire un inquiet, mais ici, c'est gros avantage. Hein. C'est plus 2, plus 3 sur l'engin. Ouais, tu peux jouer G6, puis cavalier F7 après, si tu veux. Là, en fait, on menace tout simplement d'échanger les pièces. On menace F4 et on menace cavalier F6, en fait. Ici, en fait, on menace ça, d'échanger la pièce. Ça fait une pièce de moins l'attaque. Et on menace cavalier F6. Donc, par exemple, si les noirs décident de jouer, je ne sais pas moi, s'ils décident de jouer dame H4, par exemple, on joue fou prend ici. On prend cavalier ici. Et si on ne prend pas et si on décide de jouer, je ne sais pas moi, moi, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut jouer ici? C'est un site de jouer ça, est-ce que ça marche? Il y aura roi prend E6, ça paraît bizarre, mais ça tient la baraque. Reprend F4, c'est prend D4, etc. On ouvre les lignes aussi, le roi blanc. Et tout tient ici, en fait. Hein. Ouais, tout tient pour les noirs. On a une pièce de plus. Hein. Oui, mais t'as ton roi. Ouais, le roi est au milieu, je te l'accorde, c'est vrai. Mais c'est gros avantage blanc. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas de compensation pour les blancs. Avec tes pièces. Qui seraient potentiellement valables en blitz parce qu'on manquerait de temps. Mais si de toute façon, tu joues. En fait, le roi s'en sort. Après, tu joues cavalier F6 et puis le roi, comme ça, il a une case de fuite en D7. Ou... En F7. Exactement, voilà, c'est ça en fait. Ou F7. On a quand même beaucoup de pièces autour de roi pour pouvoir défendre en fait. Hein. Puis tu fais quand même une bonne défense avec des cavaliers F6 et en E6. L'autre cavalier en D8, il va venir en E6, se protéger par le fou en E6. Donc le ouais, et puis en fait, si on réfléchit bien, en fait, une fois qu'on a un peu protégé le roi ici, en fait, c'est celui-ci qui est faible. En fait, d'une part, parce que les blancs ont une pièce de moins, et puis parce qu'on ouvre les lignes hein, sur le roi blanc. Bon, ça, c'est un piège qui n'en est pas un, en fait. Il faut juste savoir qu'en fait, il y a un plan de défense, les cavaliers D8 et cavaliers F6 derrière. OK? Donc, bon, il y aura plein de lignes comme ça tactiques parce que le système de Londres, en fait, c'est une position, c'est une ouverture très très solide, mais qui ne manque pas de ressources tactiques et piégeuses. Il faut les connaître en fait, et une fois qu'on les connaît, voilà, on ne craint plus rien. Donc ici, c'est fou G3 que je me disais, Marc. Donc ma question, c'est est-ce qu'on peut prendre le fou en G3? Puisque la case stratégique, c'est la case de 5. Donc, on se dit bah, pourquoi pas échanger le fou. Oui. C'est une pièce de moins qui contrôle le 5. À votre avis, c'est une bonne idée? Nicolas. Ouais. Non. Petit Nicolas. Non. Il avait oublié, j'ai lu lui dire dans le chat qu'il avait oublié de baisser sa main. Pourquoi Nicolas, c'est pas bon? C'est pas bon parce que sinon, on prend de H et on ouvre la colonne. Ouais, c'est ça. Tout simplement, en fait, si on prend ici en G3, en fait, les blancs font H prend G3, ils sont très très contents, en fait, puisqu'ils ne vont pas roquer, hein, ils ne vont pas faire petit rock. Ils vont garder, ils vont rester soit au centre, soit ils vont faire grand rock. Et ils ouvrent cette colonne H avec fou D3, cavalier E5, G2, G3, G5, G4, G5, etc. etc. Ah, et il ne faut pas que les noirs fassent petit rock. Ils ont une forte attaque. Il faut prendre quand les blancs ils rockent. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, si les blancs rock, finalement tu peux prendre, ouais. Mais pas tout de suite. Ouais. Donc, fou prend G3, ce ne serait pas une bonne idée. Ça ouvre des lignes sur le roi noir. Donc, ici, le coup normal, c'est petit rock, tout simplement, en fait. Hein. Alors, voilà. Ici, alors, ça, c'est ici qu'en fait, bon, la grande ligne, la ligne classique que la grande majorité des joueurs de système de Londres vous joueront, c'est fou D3. Hein. C'est vraiment une partie, une position qui a été jouée et rejouée
vous en verrez plein sur les bases de données. Mais ce qui a remis au goût du jour Carlsen, en fait, c'est la ligne qu'il a mis sur le devant de la scène, qui a permis de redonner un peu cette de noblesse à l'ouverture, c'est fou B5. Notamment une partie contre Anand, en fait, qui gagne magnifiquement. Donc fou B5, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de manger le cavalier C6, en fait, hein, qui contrôle la case de 5. Et ouais. Tout simplement, en fait. C'est toujours un peu la même idée, hein, c'est toujours autour de cette case. Donc, Anand, lui, joue A6, ce qui n'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est typiquement Anand, en fait, il joue A6, en fait, il dit, voilà, tant pis, j'abandonne le contrôle de la case de 5, mais j'ai du contrôle juste avec la colonne B sur le pion B2. En fait, je joue contre-jeu dans cette ouverture. Mais, c'est pas bon. Carlsen avait tout pensé à l'avance. Il joue Carlsen, système de Londres, il joue. Ouais, il l'a joué. Il joue beaucoup, non? Il joue souvent, là? Non, il joue pas souvent. Non, c'est pas des systèmes, en fait. Ça, ouais, il joue en blitz. Il joue beaucoup sur Internet en blitz. Nakamura aussi, il joue en blitz aussi. En fait, en l'occurrence, il l'a joué ici, si tu veux, mais c'était une préparation contre un joueur à un moment précis. C'est ce que j'expliquais, en fait. C'est pas une ouverture qu'il va jouer tout le temps. Hein. Aucun intérêt pour eux, hein, de jouer ça tout le temps d'abord, parce qu'en fait, il sera contre Kara à chaque fois, puis ça c'est pas intéressant. Et puis, tu n'apprends pas les échecs en jouant ça tout le temps. Donc, Dame A4. Anand poursuit par tour B8. Mais si fou B7, qu'est-ce que vous jouez? Allez, candidat. Bien, ça fout B7. L'idée, en fait, de l'ouverture de la ligne qu'a trouvé Carlsen, en fait. Piège. Ah, il gagne la case C5, non? Avec le cavalier, après. Ouais, ça tourne autour de la case C5. Ouais. Ouais. Fou prend, dame prend, dé prend C5. Dame prend, non. Fou prend, ouais. C'est le bon début. Fou prend, dame prend. Dame prend. Bah, peut-être cavalier, ça force la prise. Cavalier B3. Ouais, cavalier B3, c'est gagner case C5. Cavalier B3, c'est pas ça, non. Dame A3. Ouais, bien joué. Dame A3. Ouais. Oui, puisqu'en fait, on se retrouve avec une pièce. La dame est en l'air, en fait. Ça cloue. Dame A3, cavalier D7. Protège le pion. Cavalier B3. Cavalier B3. C'est le coup. Avantage blanc. Le pion. Petit piège d'ouverture. Donc, Anand ne tombe pas dedans. Il joue tour B8, en fait. Lui, il joue contre-jeu hein, sur la colonne B. Et que jouent les blancs, puisque maintenant, on connaît le piège. D prend C5. Blanc. Non. Non. Parce que le problème, c'est que la tour... Le problème, c'est que tu joues D prend C5, oui, ok, mais on va faire fou prend G3. D'accord. H prend G3 et tour prend B2. Donc tu refais. Et puis on a ça aussi. Mmh. Tu refais fou prend, dame prend et dame A3 encore, donc pour des gens pion B2, non? Tu refais la même, non? C'est quoi la différence? Hein? Ouais, c'est ça, c'est quoi le. La même. Bah, fou prend D6, fou prend, dame prend et dame A3. Tu fais fou prend fou? Ah, si tu fais fou prend fou, non, ça marche pas. Et puis on branche. Voilà, oui. Avec ouais. D7, là. D'accord. B3. Si KB3. Tour prend, je parie. Tour B5. Si. Et en fait, tu vas te retrouver avec des pions doublés, en fait. Ah. D'accord. Bah, tu laisses le. C'est pas tout à fait pareil. Ah bon, en fait, ici, bon, c'est un peu la même idée, mais c'est pas tout, là ici, c'est pas tout à fait pareil parce que si tu, dame C7, si tu joues, je sais pas, on joue quoi, cavalier prend, dé prend, comme vous voulez. C'est avec la dame, elle est un peu, ouais, si tu, du coup, comme il y a la colonne B, et là on joue au 5. D'accord, on perd le centre. Là, on perd tout. Et là, il y a un vrai contre-jeu en fait. Là, on voit vraiment typiquement l'idée, l'esprit d'Anand en fait. Hein. C'est un joueur actif qui veut pas se faire marcher dessus et qui cherche le contre-jeu. Ouais. Mais ça marche pas son plan. En fait, la même idée, hein, que jouer blanc.
D'accord. Oui, Nicolas. Dame prend C6. Hein ? Dame prend C6. Dame prend C6, je te reprends B2. Bim. Ça fait non. Bah non, là, tu parles pour... Non, non. Prends G3, hein, d'abord, oui, je suis con. Prends G3 et après, tu reprends. Après, tu reprends B2. Hein ? Dame A3. Ouais, bien joué, Nicolas. Dame A3, exactement, ouais, c'est le coup. Ouais. Dame A3. Donc, on ne peut pas prendre, hein, puisqu'on se retrouve avec de nouveau. Hein, la dame, en fait, hop, derrière le pion, en fait, il y a deux pièces qui attaquent une pièce. En fait. Donc, le pion C5 est cloué, encore une fois de plus. Dame A3. Anand s'est résolu à échanger le four G3. H prend G3. C prend D4. C prend D4. A5. Je vais voir la suite de la partie, hein, petit rock. Dame B6. B3. Fou F6. Tour F1. En fait, il va tout jouer sur C6, en fait. Le pion faible, le pion arriéré. Cavalier D7. Dame D6. Dame A7. Tour prend C6. Fou B5. C'est perdu pour les noirs. Hein ? Ouais, c'est perdu. Tour C7. Tour B7. Tour FC1. A4, tour prend, dame prend, tour C7, dame B8, tour prend D7, tour prend D7, dame prend D7, et là c'est perdu. A4, joli, hein. En fait, il est là, il a exploité en fait ce fou des sites en fait, qui était caché derrière le pion et qui, avec le joli coup dame A3 en fait, qui était en prise. Et du coup, en fait, le pion C5, en fait, il est perdu. Et derrière le pion C5, c'est le pion C6 en fait. Donc, Bon, il perd à cause du pion passé, hein. C'est simple parce que sans pion passé, c'est pas. Mais c'est parce que le problème c'est ici en fait. Le problème ici c'est que. Hop. Ici c'est qu'on a. Bah, on a ça quoi. D'accord. Et avec le joli coup d'Ama 3, en fait, cette pièce là est en prise. Donc du coup après c'est ce pion là qui est en l'air et une fois qu'il l'a échangé, mais il a l'ouverture de la colonne C, et bah, c'est ce pion là qui est faible. Et il joue tout là-dessus en fait, hein, Carlsen. Donc, joli piège d'ouverture. Donc, OK. Donc, hop, petit rock, je reviens. Fou B5. Si on joue autre chose qu'A6, si on joue, on peut s'en sortir avec les noirs, hein, je vous rassure. Mais cavalier E7. Et là, auquel cas, Carlsen a prévu, en fait, ici, il revient en D3, en fait. Ça qui est très joli. Et en fait, il joue une autre ligne. Du système de Londres qui est pas cavalier E5, qui est E4, qui est très dangereuse aussi. Fou D3, B6, vous pouvez jouer d'autres. Hein. E4. Ouais, il a l'avantage de la case de 4 là. Voilà. Là, c'est pour les noirs. Sur case blanche, le problème de toi à pas protéger. Donc ici, on menace une fourchette. Hein. Ouais, vous êtes prendre. Oui, ça, j'ai perdu tout. Bah, c'est une fourchette. Vous êtes prendre, hein. Ouais, t'es obligé de prendre. Hein. Ouais, t'es quasiment obligé de prendre. Prendre ou échanger le fou G3 ? Ouais. En regardant les deux. Hein. Prise. Ah, le problème, là, tu ouvres la colonne H, là. Il y a le fou. Cavalier prend. Cavalier prend. Fou prend. La tour B8 est en l'air. Ouais, c'est ça. La tour B8 est en l'air. La tour A8, pardon. Bah, tu es obligé de la bouger. Ouais. Cavalier D5, il ne peut pas, il y a ses cages. Ouais, ses cages. Je joue les blancs, c'est perdu pour les noirs. Voilà, c'est une attaque en échec, là, ça se voit, non ? Et peut-être. Ah, puis on prend C5. On prend C5. Là, il y a Nicolas qui a levé la main aussi, il faut lever la main aussi, ouais. Ouais, on ouais, bah... Prends un chèque. Il faut prendre un chèque, ouais. On prend un chèque, oui, c'est projet. Intéressant, oui. Mais c'est peut-être pas ça. Ça marche tout de suite. Parce que cavalier en G6, parce que cavalier, il peut revenir en G6, défendre un peu peut-être. On prend un chèque, roi prend un chèque. Bon, oui, après cavalier G5. Cavalier G5. Roi G6. C'est intéressant, ouais. Parce que c'est, ouais, roi G6, hein. Roi G6. Obligé quand même. Roi G6.
Après, s'il y a. Là, je pense que ça. Et il ne marche pas l'attaque en F7. En H7. Roi G6. Si tu prends pas en H7, si tu fais. Non, roi H8, c'est pareil. Roi H8. Non, mais pourquoi là ça va pour les noirs, non? Roi G6. Non, roi G6, ça va être dangereux. Hein. Bah, t'es obligé, hein. Parce que s'il y a dame G4, il y a F5. Tu n'as pas la case en G3 d'habitude dans les attaques sur H7. Quand il y a F5, tu peux faire dame G3, tu gardes la pression. Donc là, tu es obligé de faire H4. Ouais, il y a H4 et dame D3 et dame G4. Ah, il y aura toujours F5, hein, il y aura toujours F5 par contre. Si tu joues, aura... si tu joues, si tu joues dame D3, il y a quoi? Il y a. Bah, F5. Bah, KF5, F5, bah, après, il faut voir si. KF5, si... on s'en sort. Dame D3, il y a peut-être. Roi prend cavalier. Ouais, ton cavalier n'est pas protégé, Non, mais ça, c'est, à mon avis, c'est dangereux. Ça. Ouais, c'est. Tu vas te faire mater, je pense. Ouais, mais bon. Oui, mais tu joues F4 à F5 à la place. Je sais qu'il n'était pas en train de se mettre. Tu vas te faire mater là, non? J'ose pas jouer ça. Mais... Ouais, il manque des pièces pour les blancs, là, quand même. Il y a deux pièces en moins, là, ça ne va pas être. Bon, ouais, bah, peut-être problème, que ça marche, c'est... mais là, honnêtement, je préfère jouer ça. J'ai déjà une pièce en plus. Je préfère jouer ça. Ouais, mais tu peux faire fou prend, dame prend et G4. Tu peux récupérer la pièce. Ou H4. Ah ouais. Tu peux récupérer, mais bon, la tour là-bas, ouais, je ne sais pas trop. Là, par contre, tu prends, mais si tu prends, peut-être. Ouais. Là, ça ouvre une colonne, par contre. Là. Peut-être fou B6. C'est parce que jouent les blancs, ils vont jouer un truc beaucoup plus simple, hein, mais c'est intéressant pour les blancs quand même. Parce que là, c'est vrai que le roi est mère quand même. Il a poil. Il a joué quelque chose de plus simple, en fait, qui est beaucoup plus facile à calculer. Là, c'est chaud, là. Mais j'aime pas trop les noirs quand même. Je vois, ouais. Moi, j'aime bien les noirs. Hein. On va pas être les noirs, en fait. Ouais, j'aimerais pas être les noirs. Ok, on peut se cacher en F6. Ok, très bien. Il y a quand même ça. Ouais. En fait. Il y a quand même roi F6 quand même. Et s'il y a roi F6, ça veut dire que s'il y a roi F6, ça veut dire qu'il y a roi F7. Dans quel cas ça va. Oh, ok, non, on est bien quand même pour les noirs. Ouais, c'est un gros avantage noir. C'est un gros avantage noir. Ok, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est autre chose. J'ai mis Jean, attends, elle va enlever la main. Ah, faut brochette. Ah. Donc là, c'est bien fou brochette ou pas? C'est pas fou brochette. Mais c'est intéressant quand même, fou brochette. Mais c'est pas ça. Ah, tu peux peut-être jouer cavalier G5. Cavalier G5 et dame H5. Ouais, dame H5. Mais peut-être H6 avant. Ouais, mais tu fais quand même dame H5, puisqu'il peut pas prendre, parce qu'il est mat. Bon, déjà, il y avait quelqu'un qui est parti là. Il est parti, Richard, non? Oui, il est parti. Ouais. Oui, mais parce qu'il n'arrive pas à se connecter, j'ai l'impression. Hein. C'est que son bas va s'enlever. Il est déjà en Angleterre. C'est peut-être ça. C'est ça l'Angleterre. Alors, vous avez une idée? Bon, c'est pas KG5 alors. C'est pas KG5? Ouais. Oui. Non. D'accord. KG5. Pour faire un sacrifice? Parce que l'idée, bah, c'est. Ça me la sachète, je sais pas, on joue F5. Oui. Ah, c'est peut-être F5. Problème. Ouais. Bah, tu joues quand même dame H5. Oh, bah là, H6. Ouais. Et là, les deux pièces quand même sont attaquées. Hein. Ouais. C'est, ça, c'est pas super. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Bon. Ça, dame, prise. Ouais, ça va pas. Non. Ah, donc il y a cavalier au 5 aussi, mais. G5, cavalier. Je vous donne la solution. Quoi? Non, c'est pas fou H4, non. C'est un indice. L'indice, c'est le fou. Le fou, blanc. Le fou noir. Qui est entouré là. Ah, ok. Il faut le prendre. C'est le début de la ligne. La barre. Fou prend D6. Non. C5. Ah, c'est pion prend C5, non? Bravo, Marc. Pion prend C5, ouais. Exact. Pour pion forcer le fou à... On est obligé d'échanger, d'accord? Quoi?
Fou prend G3. Bon, là, il y a deux lignes, soit on prend la dame, soit on prend le pion, c'est, on prend le fou, c'est pareil, ça revient un peu au même. Ouais. Donc, Carlsen a joué H prend G3. C'est une partie de Carlsen encore, hein, contre, je sais pas qui, en 2016. Ah oui, tu attaques le pion en 7. On prend G3. Ils ont joué F5. Il a joué F5. Normal. Dame prend dame. T'en prends. Tour prend dame. Et C6. C'est ça, en fait. Bah oui, mais des fourchettes. Ah ouais. C'est le joli pion passé en C6, en fait, qui menace de faire fourchette. Ouais. Il n'y a pas de calculé jusque-là. Hein. Cahier D5. Ouais, cahier D5. C'est ce que je pense. Par la fourchette. Et tout prend. Fou prend D5. Tour prend. Tour prend D5. Tour D1. Tour prend. Tour prend. Normal. Pardon. On va prendre. Les noirs ont poursuivi par fou à 6. Vous allez voir, en fait c'est joli. Hein, on va, il y a un deuxième diagramme. En fait, comment exploiter une majorité. Très, très joli. Bon, en trois coups. Hein. C'est fou à 6. Cavalier E5. Tour C8. Pourquoi tour C8 bon, à ce moment-là, il attaque le pion. Si on veut faire le jouer, il va pousser C7. Hein. Tour C8. Et ici, en fait, ici, que jouent les blancs. Alors là, ce que menace les noirs, c'est fou B5. Hein. C4, bien joué. C4. B5. C4, après, il y aura B4, B5. B5, ouais, à vous de jouer. B3, là. Ouais. À vous de jouer. B3. Qu'est-ce que vous jouez? B4. B4, bon coup. Très bon coup. B4, excellent. B4 et A4. B4. D prend C4. A4. Comment exploiter une majorité? Joli, hein? Donc, c'est poursuivi comme ça. Tour D8. Roi C2. Tour D5. Menace le cavalier. F4. Abandon. Joli, hein? Oui. Très, très joli. Hein. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé la manœuvre pour faire valoir sa majorité à les dames. C'est vraiment la pointe finale de la variante tactique. C'est super chouette. C'est vraiment typiquement Carlsen, en fait. Ça se termine par une variante stratégique, positionnelle. Ce n'est pas un match de roi. Quoi. Très joli. OK. Alors, il y a quand même une ligne. Hein, on peut se défendre hein, sur fou B5, évidemment. On peut vous la faire voir, quand même. Il y en a deux, même. Il y a même deux lignes. Donc, fou B5, la variante de Carlsen. A6, pas bon. A6, pas bon. Ah non, il s'est trompé. Cavalier 7, pas bon, à cause de fou D3, menace E4. La ligne, c'est fou E7, tout simplement. En fait, on retire le fou de la prise, en fait. Un coup astucieux. En fait, en se menaçant, là, en se libérant du vis-à-vis, en fait, les noirs menacent désormais de jouer dame B6. Parce que dame B6, ce n'était pas possible puisque le fou était en prise. Et de jouer qu'avait la chance aussi. Bah, ça évite toutes les magouilles de tout ce qu'on a vu, quoi. Exactement. On a un coup, tu évites toutes les magouilles, en fait. Il n'y a plus de magouilles. Ouais, d'accord. Tout simplement. Donc, fou D3, par exemple. Si tu joues fou prend C6, en fait, hop, on joue le cavalier 5 et tu peux jouer dame B6. Tu menaces B2, tu protèges C6. Tu t'en sors, c'est comme je vous l'avais dit. Fou D3. Cavalier H5, menace le fou. Cavalier E5, G6. Pourquoi G6? Bah parce que en fait, on protège le cavalier ici. Hein. Si on vient prendre là, en fait, on se retrouve avec une menace en H7. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc, il ne faut pas prendre ici. G6, F4. Cavalier prend, F prend, F5. Obstruer les diagonales et menace par conséquent de capturer le fou G3. D'accord. En plus, les noirs, en fait, en plus d'obstruer la diagonale, en fait, et donc de parer toutes les menaces sur le roi, ils menacent de manger le fou G3, donc de gagner la paire de fous. Et en plus, ils sont des menaces sur les dames. En fait, ici, ils menacent ça. C'est une dame A5, une dame B6. Et on s'en sort, en fait. OK. Tout le monde est OK. Fou 7.
Fou 7, ouais. Mais il y a une autre ligne aussi. Tu peux jouer autre chose aussi que fou 7. Tu peux aussi jouer. J'aime bien aussi, c'est dame C7. Dame C7 donne un pion. D prend C5. Le fou est cloué. Tu es obligé d'échanger. Fou prend G3. H prend G3. Et E5, en fait. On, E5, joue, ouais. On joue le centre. Ah ouais, E5. On joue le centre, en fait. Bon, après, c'est bon. Tu peux jouer fou 7, mais ça, c'est jouable aussi. Hein. C'est bien aussi ça. Avec. Comment ? Tu peux jouer fou G4 avec. Tu peux jouer fou G4, exactement, menace E4, exactement. Ouais. Ok, donc ça c'est pour la ligne de Carlsen. C'est quand même mieux fou 7. Ouais, fou 7, c'est mieux. Il faut vraiment faire attention en fait dans ce système de Londres. En fait, c'est très 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 piégeux en fait. Ah ouais, de toute façon, le système de Londres, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, donc fou D3, là on est vraiment dans la ligne classique, la grande ligne du système de Londres, et je vais vous faire voir la jolie manœuvre de pièces noires en fait pour se libérer de tous les embêtements en fait que peuvent créer les blancs à base de contrôle de la case de 5, de surcontrôle de la case de 5 et de menaces potentielles sur le roi, notamment la case H7. Donc ici B6, d'accord, c'est normal, c'est la grande ligne. Il y a aussi l'autre grande ligne qui est Dame 7 en fait. Pourquoi Dame 7 en fait, toujours pareil, la même idée, protège D6, ok, d'accord, très bien, mais on veut jouer E5 aussi. C'est la grande ligne. Alors, c'est pour ça que les blancs jouent cavalier E5. Cavalier D7, on essaie de nouveau de recontrôler la case de 5. On lutte toujours pour la même chose, en fait. Hein, vraiment, depuis le début, ça tourne autour de la case de 5. Cavalier prend. Fou prend, normal. Les blancs jouent et gagnent. Oui, le nombre de pièges qu'il y a, c'est incroyable. Hein. Waouh, ouais. Dans toutes les variantes, il y a des pièges, en fait. Ouais, c'est toujours la même chose avec l'histoire de H7. Cavalier C4, quoi. Non. Faut voir la colonne. Non, là, c'est ça, là, c'est Pillsbury. Ah ouais, ou alors, l'autre, son autre nom, c'est Greek Gift. Greek Gift. Là, c'est ça, en fait. Donc, en fait, quand vous connaissez le plan d'attaque classique qu'on a vu, enfin, on a vu avec Olivier, l'attaque de Pillsbury. Marc, tu connais, je pense, l'attaque thématique sur H7. On sacrifie le fou à H7. Moi, je connais. On vient mettre un cavalier, une dame, on met la Tu connais ça, hein, Marc ? Ouais. Mais là, Annie-Claude, vous connaissez aussi cavalier. Claude, vous connaissez aussi cette attaque thématique sur le roi ? On l'a vu il y a deux semaines, oui. Je crois, avec Olivier. Ouais, hein. Moi, j'aime bien. On va essayer de retrouver ce schéma, en fait. Voilà, il faut retrouver ce schéma ici. Les joueurs classiques. Ça paraît bizarre, hein, le cavalier est long, hein, mais il va y arriver en G5. Ouais, donc du coup, il faut jouer F4, cavalier F3, et il faut avoir un support, quoi. Non, c'est tactique, c'est-à-dire c'est que des coups forcés. F4, cavalier F3, on a le temps de jouer. Hein, pour les blancs. D'accord. Ah ouais, là, c'est que des coups forcés, là. C'est okay. Que des coups forcés. Ouais, ouais, donc du coup. Et ça, c'est Kamsky. Une partie de Kamsky. Ouais, c'est un spécialiste, hein, Kamsky, là-dessus. À l'époque, ouais, quand il l'a joué, en fait, il a. Il joue encore. Hein. Ouais, c'est lui qui a redonné la noblesse à ce système d'ouverture. Ouais, moi, je verrais peut-être Dame H5, G6, Dame H6, cavalier F3, et puis. Moi, ok. Bah, c'est pas ça, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, Dame H5. On peut jouer F5 peut-être. Ou F5, ouais. Partout même. Donc, sur F5, cavalier. Ouais, bah, je cavalier... pense que. Cavalier F3. Ouais, ça rentre pas ça. Ici, avec la tour, là, je peux pas me défendre. Là. Ah ouais, d'accord. Peut-être. Non, en fait, c'est là, c'est pas ça. C'est forcé, là, vraiment, c'est forcé. C'est-à-dire qu'en fait, les blancs jouent et tu n'as pas le choix que de c'est de toute façon c'est dans la ligne en fait. Si tu fais fou prend roi prend dame H5 que le roi vient H8 et là tu fais le problème qu'il y a c'est F6 parce que si tu fais cavalier F3 tu menaces cavalier G5 fou prend roi prend mais j'ai pas de cavalier hein, qui vient faire échec. Non mais dame H5 échec. Ouais, OK, roi G8. Est-ce que j'allais jouer en vrai ? Après roi G8 mais c'est là le problème c'est que si tu fais cavalier F3 tout de suite t'as F6 quoi pour empêcher Ouais, j'ai plein de coups hein. En vrai, c'est ce que j'ai. Je peux venir ramener la dame, je peux faire plein de choses. Mmh. Ouais, c'est ça, t'as le temps de ramener une pièce à la dame. Est-ce que je l'ai joué ? La dame, elle protège le fou. Tu peux pas la bouger en. Peut-être ou pas ?
Ah, la dame protège le fou. Ouais, mais là, il... ouais, ouais, ah, oui, c'est vrai, exact, t'as raison. Ah, t'as F6, moi, ce qui me dérange, c'est F6, quoi. Tu... Le cavalier peut plus venir en G5, quoi. Alors, d'Olivier, on regarde quand même, mais roi prend H7. Dame H5, roi G8, comme on fait peur pour se protéger. Donc, cavalier F3. Donc, F6. F6. C'est ça le problème. F6, ouais, en plus, j'ai 5, oui, voilà, tout bêtement. Ouais. Bah, bien joué, Olivier. Ouais, F6, bon, F6, F6 après, il y a cavalier S7. Par contre, ça donne cavalier, cavalier H4 pour non. venir en G6, mais ça a l'air de... C'est ça. Ouais, peut-être dame F7. Ouais, peut-être dame F7. Non, fou. Ah, un fou là, fou 8, mais c'est fou 8. Faut oublier qu'on a, on a la pièce sacrifiée, on a une pièce de plus. Hein, pour, non, c'est fini. Fou 8, c'est fini. Non, ça marche pas. Bon, pas. Non, ça marche pas. Ouais, fou 8, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, c'est ce que j'allais dire. Bah, j'enlève. Ah, il y a peut-être. Il y a dame C2 pour sacrifier. Faut prendre un genre. Dame C2. Ah, il y a peut-être toi. C'est pas une attaque. Tu forces la pièce. Il faut essayer de retrouver la possibilité d'aller mettre un cavalier en G5. Rapidement. Oui, Jean. Vous prenez D6. Aïe. La suite, d'accord, la suite. Bah, Dame prend. Ok, c'est forcé. Ok, après. Il y aura bien un petit cavalier au 4. Faut prendre chef. Non. C'est pas fou de prendre un chèque. Roi dame H5. Roi prend un chèque. Ça change quoi par rapport à la ligne tout à l'heure? La ligne d'Olivier, ça change quoi? Pas grand chose. Et puis il y a une pièce en moins pour les blancs. Ok, F3, ouais. F6, non? Ça change rien. Que H4. Ok, donc ah, tu sais pas, Jean. Non, Jean, par contre, quand tu donnes la ligne, tu essaies de si tu n'as pas le coup, derrière, si tu n'as pas la ligne, ce n'est pas très intéressant. Okay, ok. Parce que tu peux pas, en partie, tu ne peux pas te permettre de dire, bah tiens, je vais essayer fou prend achète. Si je me suis trompé, si je me suis trompé, ça ne te dérange pas qu'on revienne en arrière. Tu ne peux pas dire ça à toi. Ah, j'ai vu, Christophe. Donc du coup, tu fais cavalier, cavalier E4. Là, tu ne fais pas fou prend achète, tu fais cavalier E4. Attends, puisque là il y a pas là. Cavalier C4, si tu fais D. Ah merde, c'est quoi? D prend C5. Merde. Ouais, je regardais parce que le fou D7, il est pas. Il est en l'air aussi derrière. Bah, D prend C5, oui. Voilà. Je valide. Dame prend. Et là. Je valide. Cavalier F3. Ah oui, dame H... ouais, là c'est là où tu fais cavalier E4. Donc du coup, tu attaques la dame et le pion il est cloué. C'est pour ça que tu arrives à mettre une. Toi, tu joues quoi? Tu joues quoi alors? Tu fais fou prend achète, roi prend achète, je valide. Et dame H5, échec, roi G8 et roi cavalier G8, E4. Je valide. Et cavalier E4, je valide. Et c'est gagné, puisqu'on ne peut pas reprendre. Ah oui, oui, oui. Ça mélange, c'est marrant, c'est un mélange des deux là, avec la même attaque que de tout à l'heure. Exactement, c'est pour ça que je dis, il faut trouver, en fait, une fois qu'on connaît le schéma de finale, en fait, il faut trouver le chemin pour y arriver. Ah ouais, non, c'est mais là, c'est là, donc en fait, ici, c'est gagné pour les blancs. Donc qu'est-ce qu'on peut jouer? Je sais pas, imaginons qu'on joue dame C4 par exemple, histoire de dire je vais aller en D3, je vais aller ici, puis je vais revenir là. Ah bah oui, c'est pas bête ça. Cavalier G5. Dame D3. Dame D3. Dame 3, E4. E4. Et ouais, E4. Et fin du match, j'ai oublié. Alors la partie de Temski, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a été joué, hein, sauf qu'il n'a pas joué dame E4, il a joué tour D8. C'est laissé une case de fuite, l'adversaire de Temski. Mais cependant, ça gagne quand même. Dame prend F7, échec. Par contre, classique, hein, quand vous laissez une case de fuite, vous mangez d'abord en F7, vous revenez en H5 pour ensuite venir en H7. Ensuite en H8, puis ensuite revenir manger le pion G7, c'est ce qui va se passer. Ah bah ouais. Roi H7, roi H8, pardon. Dame H5. Roi G8. Tour D1. Quoi? Pourquoi pas dame H7? L'idée, hein? Pourquoi pas dame H7, hein? Ah, si tu fais dame H7, maintenant en fait, tourne en rond, en fait, le problème, c'est que le roi il va venir là. Tac, 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 tac. Oh oui. L'idée, en fait, c'est de le priver de la case de fuite ici. Donc on va jouer E4 en fait.
Donc en fait, tour D1. Alors, si je mets la machine, en fait, il trouve un autre plan. Un autre. Mais celui-là est bien. La machine, il joue H4, lui. Okay. Tour D1. Ah, que jouer pour les noirs. Le problème, c'est que ici, vous êtes un petit peu dans la nacelle, en fait. Vous avez la tête sous l'eau, en fait. Hein. E5, dame F7, hop, dame E4. Cavalier E7. Oh, reclouage. Dame prend E7. Voilà, reclouage. Waouh. Pourquoi cavalier E7? Bah, je ne sais pas, moi, parce qu'il faut jouer quelque chose. On menace tour prend. Donc, avec la menace dame H5, dame H7, roi G8, roi F8, dame H8, roi, dame prend G7 et mat, le roi prend. Il ne peut pas jouer tour F8. Sinon, il matait. Tour F8, non, ça ne marche pas. Non. Ah, parce que sinon, dame H5 et après dame H7. Oui, bah, c'est pour ça que la tour F8 est partie pour laisser une case de fuite pour le roi, hein, pour venir ici. Avec la tour ici, le vis-à-vis, le roi ne pourra pas venir là. Donc, la suite de la partie, c'est ça, cavalier E7, dame prend E7. Hop, fou B5. Donc ça lui, en fait, il laisse. En fait, il est. En fait, en sacrifiant le cavalier, en fait, il a enlevé, il a dévié la dame, ce qui fait que la dame peut bien venir échec en H5. Mais ça marche pas. Tour D2 protège le mat. Dame prend A2. Dame F7. Dame échec. Tour. Vient contre l'échec. Dame prend B2. Me lasse mat. Dame H5. Mat ici. Hein. Tout, ah ouais. Dame H5, donc en fait on tourne, en fait on tourne, on essaie, là on est, on, c'est comme le chat qui s'amuse avec la souris. Hein. Roi G8. Ouais, le chat et souris. Dame H7, roi F8, et là dame H8, ça marche. Hein. Roi 7, ah bah voilà. G7, roi D6, tour prend D5, roi C6, et c'est fini. Ah là, tu rentres. Non, c'est mais... pas cuit là, tour... les carottes sont pas cuites, tour D6. Bah oui, mais c'est mat dans quelques bouts. Ouais, je sais. Ok. Donc, piège, encore. Un autre piège. Il y en a plein. Hein. On en a combien? Ok, je reviens à la position initiale. Tac, 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 tac. Non, c'est pas ça. C'est quoi, parce que si, le système de long, il y en a beaucoup qui jouent sur Internet. Hein. Les blancs. Ah ouais, ça joue beaucoup. Hein. Ah ouais. Mais après, il y a beaucoup de gens, ils tombent pas dans tout ce qui est toutes les pointes tactiques comme ça. Bah comme ça, c'est bien de les savoir avec les noirs, quoi. Ouais, ouais. Après, il faut, c'est au niveau, ouais, hein, il faut avoir le voilà. Bon niveau. Donc là, on était parti là-dessus, hein, sur Dame 7, d'accord. Moi, ce que je vous propose, la ligne, maintenant, on va arriver à la ligne que je vous proposais, c'est B6, d'accord. Alors en fait, parce que Dame 7, ça je joue, en fait, hein, on n'est pas obligé de tomber dans le piège, mais j'aime pas, en fait, parce que je trouve que c'est très actif pour les blancs. Ah, c'est vrai que dit... les blancs, sur Dame 7, en fait, le problème, c'est que si on joue Dame 7 ici, donc, ok, on a vu cavalier E5, d'accord, ok, cavalier D7, ok, cavalier prend D7, évidemment, là, il ne faut pas faire fou prend, mais il faut faire Dame prend, le coup qui n'est pas naturel, Dame prend, Dame H5, menace mat, G6, Dame H6, C prend D4, E prend D4, tour E8, on se laisse une case de fuite, ouais, Dame prend, et là, il y a F4. Mais moi, j'aime pas trop, en fait. Ouais. F4, menace cavalier F3, menace tout ce que tu veux, en fait. KF3, cavalier F5. Ouais, bah, tu joues cavalier E7. Bah, de toute façon, quand tu regardes bien, Dame E7, c'est pour pousser le 5, puis tu n'arrives jamais à contrôler E5, donc ça ne sert à rien, Dame E7. C'est vrai que ça a l'air moins précis. Hein, non, mais ça, je joue, hein, c'est une grande ligne, mais j'aime pas. J'aime. Parce que quand tu fais Dame C7, tout à l'heure, on l'a vu, tu es arrivé à gagner la case E5. Avec la case C7, tu es arrivé à gagner la case E5, mais là, comme tu fais Dame E7, tu n'arrives pas à jouer E5. Donc, du coup, c'est la dame, elle va un peu mal passer. Hein. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Exact. Donc, en fait, ici, donc moi, je propose B6, d'accord. Donc, B6, pour faire fou B7, faut bien que ce fou C8 à quelque part. Hein. Donc, hop, ici, donc cavalier E5, la grande ligne, en fait, on joue pour la case E5. Et ici, fou B7. Ouais, logique. Parce que si vous jouez fou prend E5, D prend E5, parce que si fou prend, cavalier prend. Ouais, il y a F4 en tiens. Cavalier D7, et là, on se prend F4. Ouais, c'est ce qu'on a vu là. Là, ouais, on ne l'a pas vraiment vu, mais. J'étais clé noire et j'ai perdu. Là, c'est classique, ouais. En fait, pour les blancs. C'est exactement ce qu'ils veulent obtenir, en fait. Hein, c'est, ouais, F4. Là, c'est.
Ce n'est pas que c'est perdu pour les noirs, mais c'est ce que veulent les, c'est ce que veulent les, c'est ce que veulent les blancs. Donc B6, cavalier E5, fou B7. Les cases noires pour les noirs, c'est terrible là, de, quand tu fais fou prend comme ça. Alors ok, donc là il y a deux lignes, donc on va regarder la première, c'est celle que je c'est cette nouvelle méthode en fait, cette espèce de jeu d'accord. De pièces en fait pour les noirs en fait ici. Donc en fait là, à votre avis, est-ce que vous avez une idée? Donc là, c'est pas de la tactique, là, c'est de la stratégie, c'est de la, on essaye de bouger les pièces, d'améliorer leur position. Voilà. Comment est-ce que vous feriez? Parce que les noirs ici, c'est de pouvoir contrôler E4 en fait. Hein. Les blancs veulent contrôler E5 et les noirs veulent contrôler E4. Bah là, je pense que donc là, on peut pas. On est marmé, on est un cavalier en E4, mais on peut pas. Pourquoi on peut pas? Ah, parce qu'on perd, on perd un pion. Cavalier E4, fou prend. Parce que si tu fais cavalier E4 maintenant. Ah, il y a peut-être dame C2, tu prends pas tout de suite. Tu vas jouer cavalier. Tu vas jouer quoi? Si tu fais cavalier E4 maintenant, tu vas jouer. Tu vas jouer ça. Ouais. C'est ça. Pardon. Ok, parce que le fou est attaqué. Ouais. Tu es obligé de faire fou prend. Non, tu avais prend G3 peut-être avant. Mais oui, tu avais prend G3. Ouais, mais... Et après, pion prend et après, fou. Ah, ça va. Ouais, mais... On retrouve de nouveau avec une colonne H ouverte. Ouais, c'est ça, colonne H ouverte. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais, c'est pas... Donc non, là, il faut essayer de pouvoir mettre un cavalier E4, mais sans se le faire bouffer. Alors, on essaie d'améliorer la position, le pouvoir des pièces, en fait. Bah, là, on fait la même chose. On fait cavalier E7, comme tout à l'heure, non, pour éviter cavalier prend C6, ou pas. Ouais, exactement, Olivier. Cavalier E7, bon coup. Cavalier E7, c'est le bon coup. Ouais. Là, on menace tout simplement de faire cavalier E4, parce que si le fou ne peut pas reprendre, il y aura un pion ici en E4. D'accord ? Parce que là, on menace cavalier E4, si vous prenez, pion prend, et on contrôle la case E4. Et on va faire cavalier F5, et on aura de bonnes cases. Donc, après la suite, c'est H4. Parce que cette fois, si on joue cavalier E4, cette fois-ci, ça ne doit pas marcher. Peut-être cavalier G5. Ouais, peut-être pas dans F6. Ça ne marche pas. Ah, c'est sûrement peut-être avec des dames C2, fou prend. Si on fait des dames C2, je ne sais pas. Après, l'idée, c'est de faire cavalier G5. On va essayer de. Si tu fais dame C2, il y aura peut-être H6, mais. Fou prend, pion prend. Ok, G5, F6, H6. Qu'est-ce qu'on. Si on joue cavalier G5, le piège, c'est de faire cavalier prend F7, cavalier prend F7, avec l'idée, c'est de cavalier faire prend F7 contre. Oui, tu peux jouer le machin, Kavec. Fait, l'idée de H4, c'est de faire cavalier G5, de lutter contre 4, en fait, de nouveau. Et le cavalier prend G5 n'est pas possible, puisqu'on ouvrirait la colonne H1. Et F6. F6, cavalier prend 6. C'est ça le truc. F6, cavalier prend 6. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Pour cette as. Donc ici, il faut trouver une idée pour pouvoir jouer de nouveau cavalier E4. Pour les noirs. De bonnes conditions, oui. C'est 4. C'est pas, elle n'est pas évidente la manœuvre. Hein. C'est une manœuvre de pièces en fait. C'est pas évident. C'est 4. Bon, je laisse réfléchir, quoi. Hein, mais sinon, je vous donnerai rapidement la solution. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas C4, non? C4, ça se jouera plus tard. Une fois qu'on aura stabilisé, une fois qu'on aura solutionné ce problème de case E4, en fait, on pourra jouer C4 et puis jouer le plan B5, B4, comme on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas qui c'est qui a trouvé cette manœuvre de pièces, mais elle est astucieuse. Je ne sais pas de quelle partie ça vient. Si, ça vient de. Si, je sais. Ça vient de.
Michael Adams. Le choc. Michael Adams. En ouais, 2016. Tu dis que c'est des pièces, là. Hein. C'est, on fait un jeu de pièces, là. C'est que des pièces. D'accord. Oui, il n'y a pas de tactique, en fait. Tu joues à chaque cavalier G5. Hein? H5? Oui. H5, non? Non, moi, je n'aurais pas H5, j'aurais cavalier à H5. Enfin, non, je ne suis pas sûr. Cavalier, peut-être cavalier H5. Cavalier H5, tu te prends fou pour un chet. Pourquoi pas cavalier F5 d'abord? Fou pour un chet, roi prend un chet. Cavalier G5, ça, c'est en prise. Ah ouais. C'est roi H6. Bah oui, là, cavalier prend. C'est bon, une fourchette royale. Fourchette royale. Et même KG4, peut-être. C'était pas aussi. C'est pas ça. Tu disais que c'était pas ça, KG4. Non, non, c'est blanc de jouer, blanc de jouer. Non, j'enlève la ligne, excusez-moi. Pardon. B5. Allez, je voulais, en fait, elle n'est pas facile, franchement, elle n'est pas facile à trouver. Donc, le coup, c'est cavalier F5, en fait. Hein? Il y a cavalier F5, en fait, si les blancs prennent le cavalier, bon, voilà, on surcontrôle la case 4. Hein. Il y a le pion des 5. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est ce que je. Là, il n'est pas prenable, le cavalier, là. C'est pas prenable, absolument, Marc. Et puis l'idée de cavalier F5, c'est que ça laisse la case pour le fou, qui lui laissera la case pour le cavalier. Vous voyez, il y a une espèce de triangulation, ouais. En fait. Le fou vient en E7, le cavalier F5 revient en D6 et il peut sauter en E4. C'est pas comme ça, je l'avais vu. Ouais, c'est subtil, hein. C'est très très subtil. Donc la partie, elle se poursuit par fou F4. On évite de se faire échanger. Cavalier 4, est-ce que c'est ça la partie? Ouais, c'est ça la partie. Attends. Que je me trompe pas. Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas fou au 7? Parce que c'est le plan, hein, c'est sûr et certain. C'est le plan. Là, il joue cavalier E4. Pourquoi il ne joue pas fou au 7? Parce que peut-être le cavalier G5 qui empêche cavalier E4, peut-être. Non, là, l'idée, c'est de venir ici en D6 pour aller sauter en. Non, mais d'accord. Mais là, tout de suite, il y a peut-être cavalier G. Un cavalier 8, un cavalier. Il y a encore un cavalier G5, peut-être, là. Ah non, parce qu'ici, il y a dame C2. Et du coup, tu peux pas venir là. D'accord. Parce qu'il y a KG5. Ici. Ah, bon, okay. H6. C'est le bordel, donc, en fait, là. Donc, en fait, là, comment est-ce qu'il a fait pour quand même jouer son plan? Il a fait. Cavalier E4. Ok. Ok. Après, qu'est-ce qu'il a joué? On peut pas jouer G4 là. G4, bah oui. G4 est jouable. G4. Il faut que je retrouve la ligne, je suis paumé. Tu peux la rechercher peut-être en référence en cherchant peut-être le nom du joueur. Si tu mets la position, il va te la retrouver en référence. Cavalier F3, cavalier E7, ok, c'est ce qu'on a vu. H4, là c'est cavalier G5, cavalier F5, prise impossible. F5,
fou F4. Je me fais pas prendre. Non, ok, je joue bien cavalier E4. C'est bien la ligne. G4. Cavalier E7. Si H5, on joue F6. Si G5, on revient en F5. Parce qu'en fait, ouais, d'accord, ok, parce qu'on on est obligé de jouer G5, sinon on se prend F6. Ah. Et la pièce est en prise. Donc, on fait G5, ok. On revient en F5, voilà, c'est ça, ok. On revient en F5, ok. H5, F6. Ah, c'est la partie. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué son plan avec fou E7 alors? Pourtant, c'était ça qui est marqué dans les commentaires. Je suis étonné. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le jouer? Ok, il ne peut pas le jouer parce qu'on avait avec Dame C2 et KVG5. D'accord, ok, en fait, d'accord, ok. Donc, en fait, la menace, c'était ça. La menace, c'était de faire fou E7 et cavalier D6. Ouais, mais ils étaient obligés de jouer G4. En jouant fou F4, si on joue ça, on l'a vu, il y a Dame C2. Ou KVG5 d'abord, peu importe. Mais Dame C2. Menace G4, d'accord? Menace G4, G4, G5 ou KVG5, d'accord? Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est l'idée. Par contre, donc en fait, lui, il joue ça, ok, fou F4, cavalier E4, G4, obligé de jouer G4, parce que sinon menace F6. Obligé, si on joue quoi jouer d'autre? On est obligé, hein? G4, cavalier E7, G5, c'est la partie. Cavalier F5, je reviens en F5, ok, très bien. H5, F6. Ok, je prends. Je prends. Pour G1, je fais échec. Roi H8. Cavalier G4. Voilà, c'est à partir des chiffres. Regardez. Et tour G8. Pourquoi cavalier G4? Ici, c'est déjà un grand avantage noir. Hein. Cavalier G4 pour jouer H6. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est, quoi la menace? La menace, c'est que le cavalier est en prise, simplement. Ok, donc cavalier G4. Fou prend F4. E prend F4. Dame D6. Ok. Avantage noir. Avantage noir. Ok. Ok. Mais c'est pas. Non, c'est pas la partie. Mais merde, je me suis mélangé. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah voilà, ok, non, autant pour moi. Ici, en fait, dans cette position, en fait, ici, fou B7, ok, d'accord, ok. Les blancs ont joué F4 pour le place de jouer cavalier F3. Si cavalier F3, il y avait cavalier E7, ok, comme on a vu. En fait, les blancs ont joué F4, pardon, autant pour moi. Cavalier E7, d'accord, la même ligne, c'est la même ligne. Dame F3, d'accord, vient surcontrôler la case E4. Il pourrait venir en C2, ce serait pareil. Cavalier F5, ok, d'accord. Fou F2. Là, ça paraît bizarre, cavalier F5, parce qu'on se dit, bah, il suffit que j'aille en F2, d'accord. Et après, je joue G4. Mais il y a la subtilité, c'est qu'ici, on joue fou E7. Voilà, c'est là on retombe dans la ligne. Voilà, c'est ça. Autant pour moi. En fait, c'est un peu la même idée, hein, cavalier E7, si on avait joué cavalier F3, D, F3. Si on avait joué cavalier D, F3, à la place de F4. Et là, c'est plus précis. F4, ça paraît meilleur et c'est plus précis le système. Donc, au fait, fou E7. Voilà, très bien. Alors maintenant, on menace exactement ça. Cavalier D6 et cavalier E4. G4. Cavalier D6. G5. Cavalier F4. Ça, c'est la partie. Hein. Grand roque. Si H4, F6. D'accord. On contrecarre toutes les vérités des blancs. G prend F6, fou prend F6. Grand roque, c'est prend D4. Et voilà, on a contrecarré toutes les vérités des blancs. E prend D4 et B5. Et là, on essaye de casser l'aile dame sur le point de rupture ici. Je pense que les blancs, ils peuvent annuler facile, là, quand même. Ouais. Non, les noirs obtiennent beaucoup de contre-jeux, là. Mais, disons que c'est peut-être égal, hein, mais c'est peut-être égal. Mais en tout cas, il y a du contre-jeu pour les noirs. Rock, c'est la partie. C4. Fou C2, B5, c'est le plan. Hein. On avance les pions pour essayer de casser. Allez, le roi.
Dame H3. Donc là, quel est le plan des blancs en fait? Le plan des blancs ici, c'est ça. On va faire cavalier pro, puis voilà. Tu vas mettre une tour, puis. C'est... Non, le plan, c'est ça. Ouais, tour ici. Voilà, et que. Voilà, toi. Voilà, c'est ça le plan en fait. Ah ouais. Donc il va falloir essayer de contrôler ces cases en fait, la case G4, la case H4, il va falloir contrôler tout ça avant de pouvoir continuer à progresser. Et là, tu peux, et là tu peux pas faire cavalier. Ah non, mal, elle est noire. Bah, tu fais F5 pour. Tu fais. F6 ou F6. Est-ce que cavalier prend F2? Oui, tiens, est-ce qu'on peut faire cavalier prend F2? Bah non, il y a mat. Bien joué, Marc, il y a mat. Si on fait cavalier prend F2, il y a mat. C'est con, hein. Ouais. Par contre, si tu joues F5. Ah, ça marche. Par contre, si tu fais F5, ils sont obligés de prendre en passant, du coup. Ou ils bougent fou, pardon. Parce qu'en faisant F5, tu t'empêches la tour G4 de venir. Là, là, c'est là tout de suite, là? Ouais. Ouais, non, mais non, en fait, là, je joue d'abord B4, en fait. D'accord, ah, tu joues B4. Je vais obtenir de l'activité, et ensuite, je vais contrôler les cases après. B4. Ok, B4. Ça veut dire prendre. Pion prend. Donc, en fait, hop, avec le pion, on obstrue cette diagonale, d'accord? Il faut garder des pièces aussi. Voilà, et on garde le cavalier ici pour venir sauter en F5 qui protégera H4. Fou E1. Ou en B5 pour attaquer C3. Ou en B5 pour attaquer C3, exact. Fou D5. Tour G1. Alors pourquoi il est venu en E1? En fait, tout simplement pour contrôler ça, en fait, hein, puisque si on menace prise en C3 et dame A5. Donc c'est prophylactique. Fou D5, tour G1, B3, ça prend B3, c'est prend B3, fou B1, F5. Alors ah non, on peut pas, il ne peut pas jouer tour G4, donc il est obligé de prendre. Fou prend F6, tour G4. Les blancs gagnent. F5 contre l'H4. Les blancs gagnent? Non. Non, les noirs gagnent. Ouais, la gagne là. Et ici, en fait, là, non, oh, là ouais. Par contre, ici, ouais, ici, en fait, on a contrôlé toutes les vérités blanches ici sur la langue. Oh, ouais, en fait, ça se voit. On ne craint plus rien, en fait. Puisqu'en là, fait, la case H4, elle est surcontrôlée par le cavalier S5, le fou F6 et la dame D8. A5, A4, A3. Éventuellement, on va faire d'autres plans, mais A5, A4. Un des deux. Bon, là, après, maintenant, c'est gros avantage noir. Hein. Après, maintenant, c'est la suite de la partie. Il faut bien que les blancs jouent quelque chose, en fait. Hein. Là, revient. Là, on menace dame A5. Dame A5 et dame. En fait, on menace ça, en fait. Ici. Ah, mais si le roi, il reste. Ah, d'accord. Ouais, d'accord, mais comment tu fais pour. Non, mais si le roi, il reste en C1, comment tu fais Comment tu fais En fait, tu menaces ça, en fait. Tu menaces ça, oui, d'accord, mais tu menaces ça aussi. C'est plutôt à ça. Okay. Tu menaces dame à 5. Dame à 5, tour C8, tour prend C3, dame prend C3, dame prend C3, etc. D'accord. Etc. Il y a le fou ici, mais... Okay. Je voyais plutôt à 5, à 4, à 3, moi. Bon, après, à 5, à 4, à 3, c'est terrible, quand même. En 3 tours... Ici. Ouais, mais c'est pas ce qu'il. Ouais, exact. C'est mon avis, c'est un super plan aussi pour les noirs. Mais en fait, lui, il joue pas comme ça, en fait, mec, la dame, en fait. Bah, c'est parce que l'autre, il fait roi des deux. Donc, du coup, le roi, il n'a plus le droit à attaquer, c'est ça, mon truc. C'est pour ça qu'il joue roi des deux. Ouais, imaginons qu'il aurait joué autre chose. Imaginons qu'il joue, je sais pas, il joue quoi. Il joue à mon avis, roi des deux, c'est pour. Donc, il joue pour des deux. Imaginons qu'il joue, je sais pas, il joue ça, par exemple. Imaginons, pour pouvoir ensuite revenir la tour en G1, etc. et attaquer en G1, dans la colonne G. Si il joue ça, qu'est-ce qu'on joue? 5. Voilà, il y a peut-être, du coup, le roi est peut-être dans une boîte, hein, comme tu dis, dame à 5 et. Tu fais peut-être dame à 5 et dame à 1 et tour C3, peut-être, hein, avec la poussée. Non, à 5, c'est pas mal. Hein. Ouais, à 5, à 4. C'est bien. À 5, ouais. À 4, dame à 5, à 4, ouais. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que tu as raison. Ça. Bon, allez, parce que ça craint. Ça. Parce qu'il y a une super défense noire, hein. Il n'y a rien à faire hein, chez les blancs. Hein. En fait, c'est vrai qu'il faut en fait, s'il fait roi des deux, c'est pour éviter de se créer une propre prise en fait, hein, avec ses pièces. Ouais. Je pense que tu as raison, Olivier. Donc en fait, roi des deux, dame à 5, roi E2. Fou prend cavalier, puis on prend
Tour A, D8. Roi F2. Dame A1. Menace première en B2. Fou D2, hop. On prend. Et fou C4. Dame H5, dame prend B2. Roi E1, tour prend B2. Abandon. Pourquoi ? Ah bah oui, parce qu'il prend le fou. Pourquoi ? Parce que après, il mate. S'il y a ça, on joue ça. C'est ça. Mais roi d'aller, pute. C'est ça. Ouais. C'est... Mat. Échec et mat. Ouais, ok. Ouais. Je vous refais voir la ligne, juste le petit ça, manège de pièces là. Donc là, c'est la partie de référence, celle-là. C'est pas facile à trouver. Hein. C'est la partie de référence, celle-là, pour les noirs. Là, quand tu connais ça. C'est pas mal, là. Donc ça, fou G3, ok, on était là. Donc ça, c'est vraiment le. On est là. Fou F4, ok, d'accord. Fou D6, on contrôle fou F4, d'accord. Ici, on le contre par fou D6. Bien. Les noirs, les blanches sont obligés de jouer fou G3, d'accord. Parce qu'on menace de prendre, de pousser le 5, etc. Par contre, on ne peut pas prendre en G3. Sinon, il y a H prend G3, ouvre la colonne H. C'est perdu pour les noirs. Là, on joue petit roc, normal. Fou D3, le coup classique des blancs. Le fou est actif et menace la case H7, d'accord ? Ici. B6, une case de développement pour le fou B7, le fou C8 pour aller en B7. Cavalier E5, fou B7, F4, d'accord ? Cavalier D3, c'est possible aussi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Hein. C'est cavalier E7, c'est le même début en variante, c'est exactement la même chose. On joue le même coup en fait, c'est facile à retenir, entre guillemets. Mais F4, je pense que c'est. On risque plus souvent que vous jouez F4, hein. C'est vraiment le coup typique en fait du système de blanc. Ouais, souvent. F4. Mmh. Non, je ne sais pas si tu es d'accord, hein. C'est vraiment ce que les blancs jouent très fréquemment. Ouais, souvent. Cavalier E7, c'est normal. C'est vraiment, il n'y a pas un meilleur contrôle de la case de 5 que le tour F4. Cavalier E7. Dame F3. Il faudra regarder Dame C2, hein, mais je crois que c'est encore pire, je pense, parce que tu n'as même pas l'attaque sur l'endroit. Cavalier F5. Fou F2. D'accord. On retire le fou pour pouvoir jouer G4. C'est naturel. Fou E7. Là, la jolie manœuvre, en fait, permet de revenir ici en D6 pour ensuite sauter en E4. Pardon. G4. Cavalier D6, G5, cavalier E4. Voilà, ouais, on a le contrôle de la case E4. Grand roc. Alors juste H4, hop, on a F6, le coup de défense. Grand roc, C4, début du plan d'avancée des pions et de dame pour gagner de l'espace. Ouais. Dès que les blancs, ils ont fait grand roc, quoi. On essaie d'attaquer le roi en faire un. Ouais, c'est ça. Mais même sans faire le grand roc, hein, c'est un plan, hein, de toute façon. Ouais, mais, ouais. Mais là, en plus, ça permet de faire une rupture et d'ouvrir des lignes sur le roi. C'est encore mieux. Dame H3 avec le plan tour G1, tour G4, tour H4. Et je pense qu'ils n'ont pas d'autre plan que celui-ci. En fait. C'est le seul plan d'attaque. En fait, hein, parce que c'est un carré froid, en fait, ils sont totalement dominés, les blancs. Hein. Stratégiquement, les blancs sont tellement dominés. En fait, les noirs surcontrôlent la case centrale E4. On est vraiment un cavalier qui domine en fait, les pièces mineures. Et on a un plan d'attaque qui est simple, qui est B5. 5, 4, etc. Avec en plus une dame qui peut venir à 5 potentiellement, soutenir l'avancée des pions. Une tour ah bon, là, c'est mort. Donc, stratégiquement, ils sont morts, en fait. B4. Cavalier prend. D prend. On reprend du pion. Très important. On contre la diagonale, en fait, ici. Hein. D'accord. Et en plus, on garde le cavalier pour contrôler la case F5. Ici, fou D5. Enfin, je pense qu'il pouvait jouer autre chose que fou D5. Je pense qu'il y a des plans plus rapides, on n'en sait rien. Mais... Tour G1, B3, prise. Fou B1, F5. La tour n'ira pas en G4. A4, A5, tout ça. Aussi, ok, je prends. Très bien. Tour G4. Cavalier F5, elle n'ira pas en H4.
Et là, le... bah, là c'est mort, en fait. Bon, là, A5, A4, A3. Le roi essaie d'aller de se cacher sur une position qui est sécurisée, mais en fait, Dame A5. C'est déjà mort, en fait. Dame A5, voilà. Après, c'est la suite de la partie, mais c'est surtout que je voulais vous retenir, en fait, cette espèce de manœuvre de pièce, en fait. Voilà. OK. Christophe. Oui, Marc. Est-ce que tu pourrais remettre la position juste avant que les blancs fassent grand roc, s'il te plaît? Juste avant que les blancs fassent grand roc, oui, je peux faire ça. Par contre, il faudra regarder la variante si les blancs ils auraient pu prendre dans C6 tout de suite avant que les noirs fassent cavalier E7. Ah, donc c'est ça. Attends, l'attaque ici. Ici, les blancs font grand roc. Ici, là. Ouais, ben donc juste avant, ouais, voilà. Donc juste avant qu'il fasse grand roc pour voir un petit peu s'il n'y a pas de plan d'attaque pour les blancs avec H4. Là, oui, c'est ce que je. Avec H4, H5, G6, tout ça, quoi. Là. Ouais, H4. Ok, on peut regarder, ouais. H4. Déjà, je pense que est-ce qu'on peut jouer F6 déjà? Ouais, je pense que oui. Pourquoi ils sont obligés de prendre, ouais. Oh non, mais c'est juste pour voir, hein, c'est pas. Ouais, non, mais au contraire. Bon, s'ils prennent pas, ils jouent ça. Là, ça marche pas, ça marche pas qu'il y ait G4 parce que non, t'as fou prend et fou prend G5. La dame elle est clouée. La tour, ah ouais. Il y a un pion. Je fais pion prend G5 et H prend. Bon, après ça ouvre, faut voir. Peut-être cavalier prend. T'attaques. Bon, je sais pas, hein, peut-être est-ce que c'est la. Ça gagne un pion, mais ça ouvre peut-être le jeu. Ça c'est dangereux. Hein. C'est peut-être dangereux. C'est dangereux ça, non? C'est dangereux. Ouais. Bon, après, tu as quand même cavalier F5 quand même. Hein. Bah non, regarde, je regagne le pion. Non, alors, tu as 1, 2, 3, non. Après, tu as la case F5 quand même. Après, faut voir. Ok, peut-être pas. Là, t'as okay, peut-être ça m'a l'air dangereux. Hein. Tu as peut-être dame H3 là-dessus. H3, ouais. Avec cavalier prend H6, ouais, c'est peut-être dangereux d'ouvrir là. Ouais. C'était pour voir, mais je pense que c'est... Là, le fou est en prise. Le fou est en prise. Ouais, c'est vrai, ça. Tu te décloues et tu... Là, tu prends le fou. Ah, le fou, quel fou? Et en G5. Ah oui, comme ça, ouais. Ouais. Oh, ouais. Bon, après, voilà, je sais. Fou, ouais. Bah, oui. Non, mais oui, je prends le fou, t'as raison. Exactement. Non, mais Dame H3, oui, c'est un bon coup déjà. Oui, t'as raison, je prends fou. Ouais, ça te déclouille en même temps. Non, je pense pas qu'il faille prendre en G5, en fait. Hein. Ok, si le cavalier s'en va, en fait, tu joues quoi? Bah, je pense qu'il faut continuer son attaque sur le roi, en fait, ici. Hein. Comment est-ce que tu peux essayer d'ouvrir les... Ah, tu peux ouvrir le centre, par contre, tu peux jouer comme avec E5, par contre. Peut-être ouvrir au centre hein, là en faisant E5 comme le roi il est au centre, attaque au centre, une attaque sur l'aile. Alors, réponse au centre. Si tu joues E5, ça a l'air peut-être intéressant E5 parce que ouais, puis la tour elle est vis-à-vis de la dame, donc ouais, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas la même là, c'est la même mais de l'autre côté. Hein. Ouais, ça peut être chiant pour parce que tu ouvres le centre un peu quand même. Ouais, ouais ça a l'air pas mal. Ouais. Non, c'est pour voir un petit peu si les blancs ont un plan d'attaque intéressant, mais ça reste. Et là, tu menaces s'ils prennent pas. Si tu prends pas, tu menaces F5, cavalier prend cavalier et E4. Tu menaces de gagner. Ouais, aussi. Non, mais il y a ça là, en fait. Il y a ça sur E5, en fait. C'est qu'on prend là, Olivier. On prend d'abord ici. Là, tu peux peut-être prendre du pion. Tu menaces quand même F5 et E4 quand même, s'il ne prend pas. Après, tu fais roi H8, je ne sais pas c'est lequel qui est plus protégé, mais roi H8, tour H8, tour G8, ça va, je pense. Hein. La colonne H est ouverte, donc du coup. Parce que le roi,
Le roi est en sécurité en H8 là, hein, avec la colonne. Oh, oui, il va se mettre en H8. Le roi H8 là. Ouais, pour les bidons, pour les blancs. Hein. Voilà, allez. Si tu fais là, c'est là où tu si tu joues F5 là et E4 peut-être. F5 là, il y a la prise en non F5 il y a la prise en il y a la prise en D4 non laisse tomber non il y a la prise en E5 je veux dire. À mon avis là il faut ouvrir en peut-être en D4 là je ne sais pas prise en D4 avec des je ne sais pas. De toute façon, oui, il faut que c'est noir. Il y a ça, en fait. Il y a ça, en fait, ici, Olivier. D'accord. OK. Maintenant, j'ai 7. Prendre du pion, je pense que c'est dangereux. Hein. Je pense qu'il faut prendre du chou. Hein. Est-ce que c'est mieux de ne pas prendre avec le fou, hein, carrément? Oui, il faut prendre du fou, je pense. Je pense que c'est plus sûr. Parce que si F prend E5, enfin, il y a peut-être D prend E5. Ah, F prend E5, il y a le vis-à-vis avec la tour F8. Hein. Ouais. À quoi qu'il arrive, ouais, non. Mais... Bah, c'est bien pour l'autre. Hein. Ouais, l'autre pion. Le pion F2, il y a le plus fou et deux carrières. Il faut faire qu'avec l'autre pion. Hein. Qu'elle prend de toute façon puis on prend au lieu de F ouais l'autre pion voilà c'est ça ouais D prend 5 quoi bon et après le fou il faut reculer le fou hein. Ah non il est fourchette ouais il n'y a pas prise ici là prise du cavalier des deux et ouais, quatre, ouais c'est quatre. Ça c'est ouais il y a mais tu as aussi Oui, t'as ça. J'avais vu non, ça. Oui, t'as peut-être 4 là. Mais t'as peut-être cavalier prend cavalier. Ou alors. Cavalier prend cavalier et cavalier E4. C'est-à-dire remet des 5 parce que là, il y a E4, je crois. Ou alors, il y a peut-être cavalier E4 échec. Ouais, tu fais cavalier prend cavalier. Ouais. Cavalier prend cavalier, roi prend. Ouais. Cavalier E4 échec. Et s'il faut prendre, ben, c'est mort, quoi. Ouais, on peut faire KE et ça, ok, je suis d'accord. Je pensais qu'elle est un peu plus fort avec pousser du pion, mais. Mais le roi est vis-à-vis de la dame, donc. Et comme ça te permet de sauver ton fou. Ouais, on se retrouve. Ouais, oui, c'est vrai, mais on se retrouve juste la même position, sauf qu'on a remis l'autre cavalier en E4, c'est la même position. Sinon, le roi revient. Non, mais bon, c'est. Pas, mais si on joue ça, là. Parce que si tu joues E4, je viens, mais auquel cas, il n'y a plus de diagonale. Ah, mais il y a non. Toujours. J'échange là, non ? J'échange là, non ? Ouais, mais c'est complexe, hein, celle-là, mais. Et tu perds une pièce, les noirs, ils perdent une pièce, quoi, toi qu'il arrive. Là, j'échange là, non ? Ah, il y a cavalier prend. Ah, ouais, tu peux faire peut-être cavalier prend 4, là, du coup. Là, tu fais cavalier prend 4. Il y a cavalier C4. Ouais, là, j'ai échec, là. Ouais. Ah, ouais. Ah ouais, donc tu es obligé de prendre du roi là. Parce que sinon, il y a cavalier prend 4. C'est un peu embêtant. Je prends du roi ou je m'en vais. Hein. Je prends pas. Ou tu prends pas. Si je prends du roi. Ah, tu peux jouer des conneries comme C4 et. Ouais, c'est KB5, C4, j'en sais rien. C4 et cavalier. Ouais, C4, c'est intéressant, C4. C4, s'il ne peut pas prendre du fou, tu reprends une fourchette. Tu menaces cavalier B5, mais je ne sais pas ce que ça donne après. Ouais, le roi, il est en danger, hein, le roi noir, en fait. Le roi blanc m'a l'air plus en danger que le roi noir. Ouais, C4 et KB5. Et tu ne peux pas prendre le pion, parce que si tu prends le pion, tu sauves ta pièce, tu sauves le cavalier sur échec. Voilà. Ça
Là, le problème, c'est que qu'est-ce qu'il fait de fou? Il fait C2, non? Non, il ne peut pas jouer ça parce qu'il y a cavalier. Il y a ça, hein. Ouais, il y a ça, de toute façon, il y a échec sur fou prend. Non, ce que je veux là, dire, il y a échec. Hein. Le roi, non, il y a échec là. Il y a échec là. Il y a échec. Hein. Je suis obligé de reprendre. Quel est le on va prendre. Tu es obligé de reprendre. Puis après, tu ouvres la colonne C. Hein, donc, ouais, non, là, je vais me faire mater. Là. Je me fais mater. Ok, d'accord, ok. Non, mais c'est pour voir si les blancs ont des plans d'attaque quand même sans faire grand rock, quoi. Oui, non, mais t'as raison, Marc, c'est très compliqué comme ligne. Hein. C'est très compliqué. Moi, je donne ah, la ouais, ligne. Ouais, en fait, on voit le, bien. Hein. Je sais que c'est mieux pour les noirs parce que c'est. Dans les bah, on voit. Hein. Et du coup, on voit si le roi reste au centre. Avec l'appui de la machine, je sais que c'est mieux pour les noirs. Après, concrètement, évidemment, il faut calculer parce qu'en partie. Faut calculer, je suis d'accord. Hein. Si on joue pas les lignes de la partie, il faut calculer les autres lignes. Hein. Ça, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est sûr, pas, si c'est pas ça, hein. Mais on voit, on voit qu'on peut ouvrir les lignes sur le roi aussi. Donc, c'est très dangereux. Il peut avoir du contre-jeu terrible sur le roi. En fait. Ouais. Mais c'est certain, c'est que les noirs sont mieux. Mais comme tu dis, effectivement, faut regarder les autres lignes pour les enfants, vous pouvez y aller hein, si vous voulez, hein, si vous êtes fatigué. Hein. Vous avez fait une journée d'école. Hein. Ah, voilà pour cette ligne. Après, je vais vous faire un tour très rapide de si on joue cavalier F6. Parce qu'on a beaucoup tourné autour de cette ligne-là. Je vais juste vous montrer les plans hein, très grossiers parce qu'on n'a pas le temps de regarder. Christophe, tu ne veux pas refaire un système de l'ombre la semaine prochaine, non? Tu refasses voir en détail d'autres lignes, si tu veux. Parce que c'est quand même une ligne quand même qu'on joue beaucoup avec les blancs. Donc, du coup, ça permet de. Parce qu'il est déjà 10h20. Donc... Comme vous voulez, bah après, sinon, si la semaine prochaine, je serai obligé de vous faire cette ligne-là, la ligne esternienne. Bah oui, là. Oui. On parce que celle qu'on vient de voir, j'ai déjà faite. Oui, on se dit que la semaine prochaine, tu refais cette ligne-là. Quoi. On finit avec le D5, puis là, on regarde pour ceux qui préfèrent l'autre ligne. Quoi. Moi, c'est ce que je propose. Okay. Hein. Juste pour vous faire. Ouais, ok. Ok, ça marche, ouais, ça marche. Ouais. Ok, juste pour vous faire voir ce que j'avais prévu sur cette ligne, hein, mais c'est donc système esternien en fait pour lutter contre. L'avantage du système esternien en fait, c'est que on joue D6, donc on lutte tout de suite pour la case de 5. Et c'est ce que j'allais dire. C'est pratique en fait. Cavalier F3. Alors le problème, en fait, c'est que si on joue pas D5, si on joue G6, c'est qu'on peut se prendre ça. Cavalier C3. Et si on joue cavalier C3, il faut G7 et on est obligé de jouer une pierre. Obligé de jouer une pierre. Normalement, c'est une pierre avec un fou en F4 en général qui ne joue pas trop, hein, qui est assez égalisant quand même pour les blancs. Mais je ne connais pas. Ça se joue de plus en plus quand même. Je ne connais pas. Mais on peut tomber dans une pierre. Ou alors, si vous ne voulez pas tomber dans une pierre, bah, il faut jouer D5. Ouais, c'est ça. D5, E3. Alors, si vous voulez jouer comme Tetoff. Mais ça, on l'avait vu, ça. Ça ne marche pas, ça. Hein. Le Gambit Blackmar, il ne marche pas dans cette version-là. Parce qu'en fait, on ne prend pas du pion, on prend du cavalier. On l'a vu, cette attaque-là, l'attaque de Barry. C'est l'attaque de Barry, sinon, avec dessin. On l'a vu. J'ai fait un cours là-dessus, ouais. Le premier confinement. Ce Gambit-là, il ne marche pas parce qu'on reprend du cavalier. Si vous reprenez du pion, ça marche. Parce qu'on joue F3 et on a beaucoup de jeux, en fait. On fait grand rock, donne les deux, etc. Mais si vous reprenez du cavalier, ça ne marche pas. Pour les blancs. C'est bien pour les noirs. Bon, ok, donc D5. Donc, bah, du coup, il faut jouer 3. D'accord. Il faut jouer 7. Et puis là, c'est en fait, c'est plus tellement une esternienne. C'est plutôt. C'est même pas une Grunfeld, parce que la Grunfeld, c'est 4. Donc, c'est autre chose. C'est une autre ligne, en fait. Hein. Les blancs peuvent essayer d'attaquer avec H4. Quelqu'un est obligé de répondre par H5. Sinon, on se fait massacrer. Si on fait un truc comme Petit Rock, on se prend H5. Okay, prend H5, tour prend H5, j'ai prend H5, dame prend H5, boum. C'est fini pour les noirs. Donc on est obligé de répondre par H5. Et ça joue. Ça joue, ça joue. C'est une partie. On va jouer, on va répondre par G4. On va répondre par C5. D'accord. Ok, donc après, sinon, la variante classique de l'Est indienne, c'est ça. Cavalier F3, fou G7, E3. Ok, les noirs développent leur système de l'ombre. Petit rock. H3, c'est la grande ligne, d'accord, pour éviter de se faire manger le fou. D'accord, il faut lui laisser une case de repli ici, ou H2, parce que sinon on peut menacer, après avoir joué D6, on peut menacer cavalier H5. Je mange le fou.
Ou tout simplement, on n'essaie même pas de le manger, mais on va jouer D6, on va jouer E5, et on va jouer F5, et on va jouer F4. Et le fou, il sera bien obligé. S'il n'a pas de case de repli, ça va être gênant. Donc H3, c'est vraiment la grande ligne. Normal, en fait. D6, fou 2. Et là, c'est ma ligne, c'est ça. La grande ligne, c'est cavalier BD7. Ici. C'est ça. Ça, c'est la grande ligne, en fait. Avec suivi de dame 8, E5. Moi, ce que je vous propose, c'est ça, en fait. C'est cavalier FD7. Et en fait, l'avantage par rapport à cavalier D7, c'est que tout de suite, en fait, on peut déjà jouer aussi. Puisqu'on a libéré la diagonale et le fou contrôle aussi. En fait. On peut déjà lutter pour la case de 5 et déjà menacer le fou blanc et déjà menacer le roi avec une avancée rapide. F5, E5, G5. C'est ce que j'allais vous proposer. Voilà les enfants. Bon, ok. Ok, bon, moi je chatte avec Nicolas. De quoi ? Je chatte avec Nicolas. Bon, ok, demain il y a un tournoi, demain après-midi, 14h. Oui. Un tournoi à 15 minutes plus 10 secondes. Ouais, rapide à 18h30. Non, à 12h, à 14h. Si tu fais 18h30, ouais, il sera fini. Je pensais que 18h30, je fais bien. Non, je crois pas. On vérifie, c'est 14h. Ok, je vois. C'est normal que tu vois. Est-ce que ça vous a plu? Ça fait au moins 2 heures. Très bien, Christophe. Oui. Intéressant, j'étais un peu brouillon. Hein. Je suis désolé, je me suis un peu perdu dans mes lignes. Mais c'est vrai que le système de Londres, c'est revenu beaucoup à la mode hein, quand même. Ouais, puis c'est compliqué. Hein. Vous avez vu, c'est des sous-variantes. Oui, c'est très piégeur. Tu as l'impression de jouer un coup normal, en fait, c'est un mauvais coup. Tu te fais mater derrière. C'est assez compliqué. Olivier, tu t'es inscrit au tournoi.